Dis Gérard, c'est quoi un contrôleur aérien ? Les contrôleurs aériens sont appelés également aiguilleurs du ciel. Et si tu regardes en haut de chaque tour de contrôle, il y a une salle vitrée de tous les côtés qu'on appelle la vigie. Dedans, il y a des contrôleurs aériens qui te donnent des consignes pour rouler vers la piste de décollage ou pour te guider après l'atterrissage vers ta place de parking. Ou encore pour te donner l'autorisation de décoller ou d'atterrir. En dessous de la vigie, il y a une salle sombre avec des contrôleurs qui ont les yeux rivés sur leur radar. Micro-casque sur la tête, ils surveillent et guident tous les avions environnants. Et il y en a beaucoup, comme à Roissy par exemple. C'est pourquoi ils doivent être très concentrés et réagir très vite pour éviter les collisions. Heureusement, ça n'arrive quasiment jamais. Ah oui, j'oubliais, il y a un langage aéronautique international et même un alphabet. Alpha, Bravo, Charlie, etc. jusqu'à Whisky Zulu. Et si tu me dis Roger ou affirmatif, ça veut dire que tu as bien compris tout ce que je viens de te dire. Merci Gérard. Il est trop fort ce Gérard.